Bonjour à tous, Paul Midi, député de l'Essonne. Alors ce matin je suis à l'école polytechnique, là que je vous montre un petit peu derrière avec la cour d'honneur et le bâtiment Boncourt, là pour ceux qui connaissent. J'étais avec le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui faisait une visite de l'école à l'occasion de la nomination de la nouvelle directrice générale. Alors moi je voulais vous parler ce matin euh, des séances dans l'hémicycle hier, où j'ai réussi à faire voter un amendement euh, pour améliorer euh, le dispositif IRPME d'aide à l'investissement dans les PME. Euh, et les startups euh, avec un passage du taux euh, de, de réduction d'impôt de 18 à 25 pour euh, l'année 2023. Alors c'est un amendement qu'on a réussi à faire voter euh, à la quasi unanimité de l'Assemblée nationale avec la gauche et avec la droite. Et donc euh, ce qui montre que quand voilà on discute, on travaille en amont, c'est possible. Et donc c'est une bonne première étape. J'avais aussi proposé une réforme en profondeur de cette IRPME pour le focaliser. Euh, avec beaucoup plus de moyens sur les jeunes entreprises innovantes, ce qui est une promesse du président de la République. Eh bien, nous avons eu une discussion en hémicycle avec Gabriel Attal, le ministre du Budget, et euh, il a proposé de me donner une, me confier une mission euh, pour travailler plus en profondeur sur le dispositif, bien le calibrer, pour qu'on arrive à le mettre en œuvre, euh, ce qui sera important et ce qui permettra de continuer à développer notre écosystème de start-up et surtout de créer de l'emploi avec derrière 100 000 emplois à la clé. Donc c'est très important euh, et je serais ravi de, de passer du temps et de travailler avec tous les acteurs sur ce sujet. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite.